Les gars, on n'est pas censé animer ce Cégep en spectacle, nous autres? Ben oui, là, c'est ça qu'on fait. Ouais, ouais. Pourquoi qu'on est dans le bois? Ah, ben parce qu'ils ont voulu faire comme dans les télé-réalités où le monde est dans la nature. Tu sais, il faut confronter leurs peurs et les intempéries tropicales pour avoir accès au sel pour leur riz blanc le soir. Quoi? Ben oui, là, tu sais, comme dans Survivor ou Sortez-moi d'ici. Le cégep nous a amenés ici, dans la grande forêt internationale de Shawinigan, pour animer le show. En ce moment même, il y a des milliards de minuscules drones qui nous retransmettent directement en hologramme sur la scène du cégep. Ah, oh, c'est cool! Ça veut dire que présentement, ils peuvent nous voir et nous entendre? Ouais. Puis nous, on peut-tu les entendre? Non. Ben, pourquoi? Ben, le quatrième mur, là. Ah, oh, ben oui, évidemment. Mais les gars, ça vous tentait pas, tu sais, ben, de me le dire que je m'habille en conséquence? Ben, on te l'a dit, habille-toi confortable. Oui, ben c'est ça, confortable. Ben... De toute façon, toi, Laurent, c'est-tu vraiment nécessaire, là, le kit de « je pars en survie en forêt pendant 13 jours avec mes amis louveteaux » puis m'apprendre à faire des nœuds dont je me servirai jamais, à moins d'avoir un yacht plus tard. Je suis prêt à toute éventualité. On va devoir relever des défis ce soir, un peu comme dans un fort boyard, mais sans M. Louche qu'on se demande si à chacune de ses énigmes, ça va pas être son dernier souffle. ouais, donc on va devoir justement relever des défis ce soir pour récupérer des cartons sur lesquels vont être inscrits les informations de la soirée. Oh, du protocole! Oh, j'aime ça, le protocole, les gars! Laissez-moi tous les cartons de protocole! Ben, tiens, justement, il y a un carton écrit « protocole » dans le bosquet, juste à côté d'une très grosse baie. Cool! Bonsoir et bienvenue à la finale régionale de Shawinigan de cette 44e édition de Cégep en spectacle! Nous sommes Laurent Hamelin, Zachary Beaulieu et Noah Cadieux et nous sommes vos animateurs pour la soirée. Avant de débuter, il nous apparaît important de prêter la parole à une personne représentant le Collège Haute. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Mademoiselle Nathalie Houle, directrice des affaires étudiantes et communications du cégep de Shawinigan. C'est qui, Nathalie Houle? Non. Okay. Bonsoir tout le monde. Jean de Drummondville, de Sorel-Tracy, de L'Assomption, de Victoriaville, de Granby, Jean de Joliette, de Trois-Rivières, de Saint-Hyacinthe, de Sherbrooke, Jean de la région Centre-S et Jean de partout, bienvenue à Shawi! C'est un immense honneur de vous accueillir pour cette 44e édition de Cégep en spectacle et de vous souhaiter, au nom de toute la communauté collégiale du Cégep de Shawinigan, la plus cordiale bienvenue dans notre magnifique salle de spectacle qui va vibrer ce soir au rythme des jeunes artistes qui proviennent des 11 établissements de la région Centre-S. Nous sommes privilégiés de pouvoir assister, année après année, au déploiement de toute cette audace, de ce courage et de cette fougue dont font preuve nos jeunes artistes issus de la relève. J'aimerais saluer la présence des directions qui se sont déplacées et qui sont ici ce soir pour les accompagner et les soutenir. Et je suis heureuse de pouvoir aussi saluer notre directeur général, M. Éric Millette, qui encourage les initiatives qui permettent le rayonnement de la culture et qui est avec nous ce soir. Je profite aussi de l'occasion pour saluer deux personnes qui ont encouragé et supporté les artistes du Cégep de Shawinigan pendant de nombreuses années. M. Alain Huard, jeune retraité et mon prédécesseur à la direction des affaires étudiantes, et Mme Denise Ferland, technicienne en loisirs qui a quitté le Cégep depuis plusieurs années, mais qui reste fidèle au rendez-vous et ne manque jamais une occasion de venir encourager les étudiantes et les étudiants. Je crois qu'ils ont bien compris
le privilège qui nous est offert lors d'événements comme Cégep en spectacle, de voir émerger le talent de ces jeunes artistes en devenir. Je tiens d'ailleurs à féliciter tous les artistes d'avoir osé. Il faut une bonne dose de courage et d'audace pour se présenter sur les planches et repousser ses limites personnelles. Je les remercie chaleureusement de partager avec nous leur talent, leur passion et leur amour de la scène. Avant de vous quitter et laisser place au spectacle, j'aimerais remercier toutes les personnes qui accompagnent nos jeunes artistes et qui rendent cette soirée possible. Je pense à tous ces responsables de l'animation socioculturelle qui ne ménagent, oui, justement, qui ne ménagent aucun effort afin d'offrir aux étudiantes et aux étudiants tout le support dont ils ont besoin afin de rendre inoubliable leur passage dans nos établissements. Je crois qu'ils méritent une bonne main d'applaudissements. J'aimerais aussi prendre quelques minutes pour remercier notre équipe d'étudiants bénévoles à l'animation, à l'accueil et à la technique, ainsi que nos juges qui ont accepté notre invitation. Merci à nos commanditaires locaux, l'Association des étudiantes et des étudiants, l'Association des parents et la Fondation du Cégep de Shawinigan. Enfin, merci à vous, cher public, chers parents et chers amis, d'être avec nous ce soir et de permettre à nos artistes de briller de plein feu. Je vous souhaite une belle soirée à Shawi et un bon spectacle. Merci. Merci beaucoup, Mme Hull. Ouais, elle est vraiment bonne, hein? Cégep en spectacle est une production du RIASC, le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Pour nous dire quelques mots sur l'organisme, j'invite la personne représentant le RIASC, M. Simon Cormier. Bonjour à tous et à tous. Moi aussi, Denise. C'est un plaisir et une fierté de vous accueillir ici ce soir pour la finale régionale de Cégep en spectacle. Mes prochains mots, je vais les prononcer à titre de représentant du RIASC. Derrière les rideaux, il y a des dizaines de cégepiens et de cégepiennes qui ont travaillé toute l'année pour présenter leur numéro de ce soir. Cette soirée, elle leur est complètement dédiée. Soulignons leur force, leur courage, leur entraide, leur esprit d'équipe, ainsi que leur capacité à exploiter leur potentiel créatif. C'est grâce à des événements comme celui-ci ce soir qu'on peut voir à quel point le domaine artistique a une relève de feu. Depuis presque 30 ans, le RIASC, on s'affaire à organiser puis à développer des activités socioculturelles pour que les cégepiens et cégepiennes qui sont remplis de créativité puis qui sont impliqués, bien, ils puissent triper leur cégep. C'est 10 événements RIASC qui ont lieu pendant l'année. Il y a Cégep en spectacle, mais il y a aussi le prix littéraire des collégiens et collégiennes. Il y a le circuit d'improvisation du RIASC, le festival d'impro La Troupe, l'Égrégore, le concours d'écriture dramatique, le prix collégial de la chanson de l'année, en plus de différents intercollégiaux en danse, en théâtre, en arts visuels et en cinéma. En terminant, j'aimerais remercier toute mon équipe d'organisation, ainsi que les étudiants qui se sont impliqués bénévolement ce soir, puis qui ont tout donné pour réaliser ce spectacle. Je veux aussi remercier... S'il vous plaît. Je veux aussi remercier tous les artistes qui doivent maintenant avoir très, très hâte de vous montrer ce qu'ils ont concocté pour ce soir. Je suis persuadé que vous allez nous éblouir avec votre art, et ce, encore plus que lors de votre local. Une grande main d'applaudissements pour les encourager. Et je vous souhaite à vous, cher public, un bon cégep en spectacle. Merci beaucoup, M. Cormier. Hey, tu sais, les gars, si jamais on a de la misère avec tes défis ce soir-là, je peux toujours appeler mon ami Fred. Ben non, c'est pas nécessaire. On est des gars, on est capables. Mon père, c'est un arbre, là. Mais, tu sais, vous devez bien avoir des peurs ou, tu sais, des petites insécurités.
Regardez-moi, par exemple. Je suis prêt à tout faire. Dormir avec des écureuils. Manger des champignons. Après s'être assuré qu'ils soient comestibles et non toxiques pour l'humain. Mais moi, j'ai vraiment, vraiment peur de... salir mes bas. Pour vrai, là? Ouais. Ma mère serait vraiment fâchée. OK, OK. Moi aussi, les gars, faut que je vous avoue ma plus grande peur. L'infini. Pis toi, Noah, c'est quoi la chose que tu voudrais vraiment pas faire ce soir? Ah, moi, parler en public. Oh yes, un carton de protocole! Plus d'affaires à dire! Sans plus attendre, débutons cette soirée avec le premier numéro. Ils nous viennent du cégep de Trois-Rivières et nous offrent un numéro de musique, catégorie création. Veuillez accueillir chaleureusement Mallory Desbiens et Danny Bournival.
C'était Mallory Desbiens et Danny Bournival. Hey, les gars, il y a un autre carton dans le bosquet juste à côté de la très grosse baie. Ah, puis il y a une pancarte aussi, c'est écrit « Ne pas toucher à la très grosse baie ». Ben là, hey, ça donne juste envie d'y toucher à la très grosse baie. C'est sûr, regarde-la, c'est vraiment une très grosse baie. Je comprends que c'est une très grosse baie, mais il faut pas y toucher à la très grosse baie. Les gars, si on compare à une baie de taille normale, c'est une très grosse baie. C'est une très grosse baie. Attention, les gars. Pas de jugement. C'est une très grosse baie. C'est vrai que c'est une très grosse baie. Si on regarde la définition d'une très grosse baie, ça, c'est une très grosse baie. Je comprends, mais là, il suffit de parler de très grosse baie. On a notre premier défi. Allumez un feu! Yeah! Yes, merci. OK, ben... Vas-y, go! Ah oui, t'es capable, allume. Ah oui, vas-y, mon grand. Ah oui. De banque par surprise. Good? Ça n'a pas marché. Ça marche pas. Ouais, ben les gars, je pense que je vais appeler mon ami Fred, là. Oh, pas besoin, Laurent. J'ai prévu le coup. Ah! Ton ami Fred, c'est une... championne qui vient résoudre ton problème. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ben... De toute façon, t'as trouvé ça où, ce feu-là? Il était dans le mail. Je l'ai juste pris. Ah. Ben, c'est ça. Là, il demande un dragon. Prendre l'écorce de boulot. Pas, un lance-flamme. Allume-le avec ta clope. Les gars, arrêtez. Vous faites du mansplaining. Fred sait très bien ce qu'il a fait. Du mansplaining? Oui, Zazak, en français, ça s'appelle de la m'explication. Ben, je sais pas c'est quoi. Ça, là, Fred, là, c'est quand un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà, mais que comme c'est une femme, ben, il pense qu'elle le sait pas. Oups! Mauvais bouton! Ah! 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 Hey Noah, good job! T'as allumé le feu! Poursuivons avec le second numéro. Il vient du Collège La Flèche et nous propose un numéro de chant catégorie création. Une bonne main d'applaudissements pour 11 mots. Yeah, yeah. 11 mots et on pense trop. Yeah, 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 yeah. J'arrive à peine, j'suis déjà en sueur. J'me suis donné plus que la dernière fois, j'ai de l'assurance. Et puis toi m'appelles, tu veux me donner ton cœur. T'es même pas certaine que j'vais te le redonner. Tu devrais prendre une assurance. J'suis à des kilomètres de ce que tu veux vraiment. Mais le simple fait de t'avoir lancé un petit compliment fait que je suis maintenant sur ton continent. Mais m'appelle, j'suis déjà reparti dans l'océan. Toi tu veux me suivre, mais on sera pas dans la même suite et ni dans le même hôtel. Quelle chance de ne pas t'avoir dans mon esprit. Même si parfois ça m'arrive de penser que ça serait censé pour mon esprit. Mais t'es pas la même. Ma fidélité est solennelle. Même si toi t'es là et qu'elle n'est pas là, elle répond toujours à mes appels. Est-ce que ça vaut la peine s'éloigner pour se retrouver après? Non, toi t'es pas la même. J'arrive à peine, j'suis déjà en sueur. J'me suis donné plus que la dernière fois, j'ai de l'assurance. C'est toi ma belle, tu veux me donner ton cœur. T'es même pas certaine que j'vais te le redonner. Tu voudrais prendre une assurance. J'suis à des kilomètres de ce que tu veux vraiment. Mais le simple fait de t'avoir lancé un petit compliment fait que je suis maintenant sur ton continent. Mais ma belle, j'suis déjà reparti dans l'océan.
T'es mon idéal dans mes rêves, mais en vrai, tu ne pourrais jamais être ma reine. On est trop pareil, et si le contraire s'assemble, je veille à ce qu'on finisse pas nos jours ensemble. Y'a rien de créé, pourtant j'ai déjà jeté les cendres tous les deux. Y'a rien de moins dépourvu de sens. Y'a déjà Marie qui m'attend sagement dans la chambre. En passant, j'ai à dire que t'as déjà eu ta chance. Bref, tu peux te calmer, ton verre tu peux le caler. Tu prendras soin de mettre la pilule dans ta bouche avant d'avaler. Je compte pas changer d'idée, fais gaffe à pas t'étaler. J'ai pleine confiance en moi, je vais pas me mettre à cavaler. On est trop pareil, en aucun cas ça aurait pu le faire. Je suis solennel, tous les deux ça leur a été l'enfer. Faut ranger l'appareil, y'a des moments où il faut s'y faire. Faut être rationnel. J'arrive à peine, j'suis déjà en sueur. J'me suis donné plus que la dernière fois, j'ai de l'assurance. C'est toi ma belle, tu veux me donner ton cœur. T'es même pas certaine que je vais te le redonner. Tu devrais prendre une assurance. Tu as des kilomètres de ce que tu veux vraiment. Mais le simple fait de t'avoir lancé un petit compliment fait que je suis maintenant sur ton continent. Mais ma belle, j'suis déjà reparti dans l'océan. Maintenant je fais sans être commandité. J'ai plus la gêne pour me paralyser. J'ai enfin réussi, j'm'en place mes idées. Tous mes pulsions, j'peux les canaliser. J'avais pas connu cette depuis ma naissance, à croire que j'évolue, je développe une aisance à dire vraiment ce que je pense, à dire quelque chose qui a du sens. Maintenant je le fais sans être commandité. J'ai plus la gêne pour me paralyser. J'ai enfin réussi, je mets en place mes idées. Tous mes pulsions, je peux les canaliser. J'avais pas connu ça depuis ma naissance, à croire que j'évolue, je développe une aisance à dire vraiment ce que je pense, à dire quelque chose qui a du sens. Arrête d'être triste et puis danse. Arrête d'être triste et puis danse. Ben, je vais te laisser un message. Je peux pas faire autrement. Mes textos, chaque fois tu les zappes. Donc, comment tu vas? Tu ne me donnes plus aucune nouvelle. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu me disais que ça n'en valait plus la peine de continuer. Que t'étais tanné de ce train des routiniers. Les yeux humidifiés, j'ai pensé. Maintenant, je suis mitigé. Est-ce que t'es bien? Car t'es le genre de personne qui en parle à personne. Je me questionne, est-ce que tu vas m'en vouloir si je te raisonne? T'es mon ami, alors je vais te traiter de la sorte. Demain, je vais venir cogner à ta porte. Aucune réponse. Je suis surpris, c'est rare que tu fais autre chose que pioncer. Être autre chose que foncer. Je vais être honnête avec toi. Ça sentait le pote, j'ai même pas ouvert la porte par peur que tu sois trop gelé. Le lundi normalement tu as congé, donc jamais je songe que t'as coupé les ponts ou bien autre chose de la sorte. Je reçois un appel, ta mère qui me demande si jamais j'aurai des nouvelles. J'entre jamais, je sonne, j'ai même pas le temps de t'appeler que je te retrouve mort sur le sol. Les yeux ouverts comme si t'avais payé le prix de la vie en solde. Toujours avec le même sourire, comme si tu étais content de partir. Je m'emporte puis je casse la table. Je prends un morceau de verre et je me tranche les cordes vocales. Stop! Je me réveille, un autre rêve étrange qui comme à chaque fois me rappelle que je dois renvoyer tes appels. Mais je le fais pas, j'ai pas envie que tu saches que présentement j'aurais peur de me mettre dans un sale état. Qu'est-ce que ça changerait à part briser ton moral, à part changer ta journée de soleil en orage. J'ose même plus appeler ma mère, ça fait trop longtemps. À chaque fois que j'appelle c'est pour parler de problèmes ou d'argent. J'ai honte, donc je m'allume un spliff. J'ai l'habitude quand ça va pas, je retombe droit dans le cycle. Mais là ça change rien, je remène en boucle sur ma vie. Et sur ce qui s'en vient, ma conscience n'est sûrement pas assez forte. Parce que je me vois prendre le pot de pilules, mais je peux rien faire emprisonné dans ma cellule. Je me vois en prendre une, et puis deux, et puis six. Et puis tout d'un coup le pot de pilules glisse. Je me rends compte de ce que je viens de faire. Donc je me lève et je m'écroule par terre. J'entends la voix de mon père qui me dit mourir c'est pour les faibles. Dommage, il n'a pas suivi sa propre règle. Je pense à mon frère, le con un peu trop gentil, un peu trop naïf. Il va sûrement se dire que je suis égoïste de partir sans lui dire adieu. Je me sens mourir, je souris mais j'ai même pas le temps de fermer mes yeux. Et là tu rentres, je te vois de dehors. Je ressens plus rien dans mon ventre, dans mes jambes c'est vide. Dans ma tête c'est vite, je regrette, j'ai eu tort de quitter ce monde. J'aurais peut-être dû être plus fort. Je me réveille dans un lit tout blanc, un tube dans la bouche comme si j'étais important, comme si j'étais encore en vie. J'essaie de me lever de mon lit, je vois ma mère en larmes qui me demande qu'est-ce que t'as pris, mais qu'est-ce qui t'a pris.
Je sais même pas quoi répondre. Je savais même pas que j'étais vivant il y a quelques secondes. Je replonge, je reprends conscience quelques heures plus tard. Assis devant le lit, t'attendais de me dire j'ai eu tort. Finalement pas du tout. Tu me dis que ce monde peut rendre n'importe qui fou et que t'es juste content que je ne me suis pas rendu au bout. Tu m'expliques que t'es arrivé à temps. L'ambulancier a dit que sans toi je serais plus vivant. Je me réveille, encore un rêve étrange. J'ai du mal à croire que dans ma tête s'étanche. Donc je vais dans l'armoire et jette le pot de pilule, juste pour être sûr que je ne fasse rien de ridicule. Je recule et puis je me penche, récupère le cannabis qui à chaque soir me hante et le jette à la poubelle, lui donne aucune pertinence. C'est sûrement de sa faute si je fais autant de rêves étranges. 11 mois. Une bonne main d'applaudissements pour 11 mots. Tiens, Noah, dans le feu, il y avait un autre carton de protocole. Ça, là, Noah, le protocole, là, c'est quand quelqu'un... Oui, ben oui, Fred, je sais c'est quoi le protocole. J'aime ça, le protocole. C'est quoi? Tu fais du woman's planning maintenant? Non, je te remets à ta place. Et ça, devant des milliards de minuscules drones qui nous retransmettent directement en hologramme sur la scène du cégep. Cégep en spectacle, c'est un concours en 3 étapes. D'abord, cette année, ce sont 60 cégeps et collèges qui ont tenu des finales locales. Au total, ce sont plus de 1000 étudiantes et étudiants qui ont foulé l'une de ces scènes. Chaque spectacle a couronné un numéro gagnant, lui donnant ainsi accès à l'une des finales régionales. À l'instant où je vous parle, 3 autres finales régionales ont lieu à Limoilou, Gérald Godin et au Vieux-Montréal. La semaine dernière, c'était le campus des îles de la Madeleine, du cégep de la Gaspésie et des îles qui recevait la première finale régionale. Chaque régionale consacrera 2 numéros gagnants. Les artistes de ces 10 numéros se rencontreront le 29 avril prochain pour l'ultime étape du concours, soit la finale nationale au Théâtre du Vieux-Terrebonne, une réalisation du cégep de Lanaudière à Terrebonne. Ce spectacle sera d'ailleurs diffusé en direct des ondes de MaTV à travers le Québec et sur les pages Facebook du diffuseur et du RIASC. Cégep en spectacle ne serait pas possible, sans l'apport essentiel de ceux qui travaillent dans l'ombre pour mettre en lumière ces beaux talents. En plus du personnel professionnel, ce sont près de 1000 bénévoles qui ont fourmillé derrière les rideaux. Voici maintenant le 3e numéro. Il vient du cégep de Victoriaville et nous propose un numéro de chant et musique catégorie création. Accueillons Frédéric Turcotte. Salut Chaoui, ça va bien? Ah ouais, vous êtes capable de faire plus fort que ça? Ça va bien? Let's go! Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 de mes compositions. La première qui va s'appeler Cours Petite Fleur et la deuxième qui va s'appeler Carabine. Dans le fond, moi, ce qui est important, c'est ma 2e prestation sur scène. Puis j'aimerais ça qu'on sorte notre téléphone et qu'on mette la flashlight pour le premier. J'aurais aimé ça que ça soit des lighters, mais on m'a dit que c'était dangereux pour le feu. Fait que, on va sortir. Dans le fond, je vais voir plus de lumière que ça. Allez! Ouais, c'est bon ça! Donc, je vais mettre à chanter Cours Petite Fleur, puis vous avez juste à faire ça. Je pense que ça va vraiment mettre une belle ambiance. Êtes-vous prêts? C'est plein de petites fleurs, c'est beau. Hey, même du monde en haut! On est planté à attendre le bonheur, sans le courage d'arroser les fleurs. Même si ton cœur bat à contre-sens, sais-tu au moins que c'est à toi que je pense? On tourne dans les rouages du cœur, de plus en plus vite sans avoir peur. C'est quand tu fuis que tu t'élances. Si tu prends pas le risque, t'auras pas de chance. Mais cours, cours, petite fleur, mais cours, cours, n'aie plus peur. Cours dans mes bras. Mmh.
qu'on s'assemble. Ensemble, on remonte la pente. C'est que je ressens ton chagrin. Ensemble, on passera demain. Mais la tempête avance dans ta tête. Je vois bien que t'as plus le cœur à la fête. Mais la pluie arrose les fleurs. De ma main, j'essuierai tes pleurs. Cours dans mes bras. Change de promène, de toujours rester le même. Même dans la froideur de novembre, que la routine tu fais plus attendre, je t'attendrai, même sous la grêle. Car tout ce qu'on a de besoin, c'est un peu de pluie et de soleil. C'est tout ce qu'on a de besoin pour enfin dormir sur nos deux oreilles. On est planté à attendre le bonheur, sans le courage d'arroser les fleurs. Même si ton cœur va à contre-sens, sais-tu au moins que c'est à toi que je pense? Mais cours, cours, petite fleur. Mais cours, cours, n'aie plus peur. Cours dans mes bras. Hey, merci pour les lumières, c'était vraiment cool. Très belle ambiance. Merci, Chewy. OK, avec ce beau cri-là, je pense qu'on a du monde willing à soir. Est-ce que je me trompe? Ouais, ouais, je me trompe. C'est bon. Non, pour la deuxième chanson, je vais avoir besoin de vous. Est-ce que ça vous tente de chanter? Ouais! J'espère qu'il y a du monde qui dise oui. Donc, pour ma deuxième composition, voici Carabine. Êtes-vous prêts, Chewy? Let's go! Un chat dans le nord, loin de nos problèmes qui nous freinent, loin de la civilisation qui nous entraîne. Fait que prends ton bac, sac, on part à matin. On sort des sentiers parce qu'on sait bien que toi et moi, dans le fait ensemble, les bouts de chemin. Sorti de la traque, on suit notre direction parce qu'on n'a rien à faire. Les gens qui tournent en rond, c'est vrai qu'on a peut-être l'air un peu perdu. Mais c'est toujours bien mieux que de rester assis sur le cul. Tu tires mon cœur à la carabine. Tu tires mon cœur à la carabine. Tu tires mon cœur à la carabine. Tu tires mon cœur. Jamais voulu d'une vie normale. L'horizon nous appelle, plus besoin de garde parentale. À 3 km dans le bois, toi et moi on aime bien ça. Même le foie canadien pourrait pas nous séparer parce qu'on sait bien qu'ensemble, ce qui nous tient ensemble, c'est bien plus que de la romance. Tu tires mon cœur à la carabine. Tu tires mon cœur à la carabine. Mon cœur à la carabine. C'est mon cœur à la carabine. Sois ma bonne chez ton Clyde. On fait du pouce, on a besoin d'une ride. Winchester 97, le bois nous tient au chaud. Même s'il fait frais, plus besoin de stress. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'être quand t'es avec toi dans le salon, pis te poigner les fesses. Mais si on se pogne de temps en temps, j'espère au moins que ce sera pas long. Anyway, t'auras juste à bien viser. Parce que tout le monde ensemble! Tu tires mon cœur à la carabine. Tu tires mon cœur à la carabine. Juste vous! Encore plus fort, dernière fois! Et merci, Chewy, c'est vraiment le fun. Bonne soirée! Tu tires mon cœur à la carabine.
c'était Frédéric Turcotte. Big left, eh oui! Ah. Hey, merci d'être venu me donner un coup de main. C'est vraiment gentil, Fred. Hey, au passant, tu nous as pas dit, ce serait quoi, toi, ta plus grande peur de la soirée? Je pense que ça serait être coincé dans le bois avec un partenaire qui est coincé aussi, puis qui a vraiment peur de, genre, salir ses bas. Bon, ben ça, c'est fait. Hein? À l'issue de cette soirée de spectacle, le jury aura la lourde tâche d'élire deux numéros gagnants. Les artistes de ces numéros mériteront un laissez-passer pour la finale nationale du 29 avril prochain au Théâtre du Vieux-Terrebonne. En plus de recevoir chacun une bourse de 750 $ offerte par Desjardins et par le RIASC. De plus, de nombreux partenaires remettront des prix parmi tous les artistes des cinq finales régionales de Cégep en spectacle. Ces partenaires sont l'Office Jeunesse Internationale du Québec, le Festival International de Musique Universitaire de Belfort en France, Village en chanson de Petite-Vallée, Ma première place des arts, le Festival de musique émergente, le Festival international de la chanson de Granby, l'École nationale de la chanson, le Festival Transamérique, le Zoo Fest, l'École de danse de Québec et l'École de cirque de Québec, et finalement, Télé-Québec, la fabrique culturelle. Les partenaires sélectionneront les récipiendaires des prix en visionnant les enregistrements vidéo des numéros finales régionales. Pour connaître les détails de ces prix, référez-vous au programme disponible en ligne ou au site Internet du RIASC. Le dévoilement des heureux élus se fera à l'occasion de la finale nationale à la fin avril. Finalement, il me reste à vous parler du prix coup de cœur Desjardins pour lequel vous aurez l'occasion de voter pour votre numéro coup de cœur parmi les 10 finalistes nationaux. Du 7 au 27 avril, votez en ligne pour le numéro ayant conquis votre cœur. Une bourse de 1 000 $ offerte par Desjardins sera remise à l'artiste ou aux artistes du numéro ayant récolté le plus de votes. Suivez la page Facebook du RIASC pour faire entendre votre voix. La prochaine participante vient du cégep de Granby et nous offre un numéro de chant et musique, catégorie interprétation. Voici Charliane Côté. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous interpréter deux chansons qui me touchent beaucoup et j'espère que le monde vous interprète. Je joue de la batterie, la guitare et du piano. Donc, mais comme vous pouvez voir ce soir, j'ai joué de la guitare et le piano en même temps, tout en chantant. Donc pour ce faire, j'ai mon looper qui enregistre ma guitare en ce moment même. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je viens d'enregistrer ma première loop justement. Voici les échardes de Charlotte Cardin. C'est parti. Tout pouvait changer si on jouait.
que pour continuer, j'avais envie de dire un petit mot avant de faire ma prochaine chanson. Vous allez être d'accord avec moi pour dire que la vie, ça peut être vraiment difficile et déchirant des fois, mais je suis certaine qu'on peut tous s'en sortir. Et personnellement, moi, c'est par la musique que je réussis à m'abandonner et oublier mes problèmes pendant un instant. Donc, c'est ce que je vais vous demander de faire pour ma prochaine chanson. Donc, on essaie de laisser nos problèmes de côté pour un petit moment et laissez-vous bercer par ma musique. Voici « Je te laisserai des mots » par Patrick Watson. Charlie-Anne Côté! Ah. Noah? Hein? Tu fixes la très grosse baie? Ouais. Pourquoi tu fixes la très grosse baie? Oh, pour rien, Zach, pour rien. Ouais. Tu veux-tu y toucher à la très grosse baie? Oui, ouais. Sacrément oui. Mm-hmm. Ouais. Tu le sais qu'on n'a pas le droit de toucher à la très grosse baie. Je sais tout ça, Zach. Ouais. Elle est grosse, la baie, hein? Oh, elle est tellement grosse pis rouge. Ouais. Elle est rouge, hein? Elle est très rouge. Elle est très rouge, hein, la baie. Noah? Oui, j'ai le goût de la mettre dans ma bouche, Zach. Tu peux pas la mettre dans la bouche, Noah. Je sais, Zach. Vas-tu toucher à la très grosse baie? Ben non, Zach, je touche... Ouais, probablement. Hop. Hop.
Voici maintenant le cinquième numéro de la soirée. Il nous vient du cégep de Shawinigan et nous propose un numéro d'humour, catégorie création. Veuillez accueillir chaleureusement Laurent Perrault! À tous les détenus, veuillez garder le silence dans la salle commune. Votre conférencier est arrivé. Je vous demanderai de l'applaudir. Ah, vous êtes menotté. Bon, ben, bonne conférence dans ce cas-là. Salut les petits bums. Ça va? OK. Fait que c'est pas mal ce que vous avez fait. C'est pour ça que je suis ici. Je vais vous donner une conférence qui s'intitule « C'est pas bien être un pas fin ». Je sais, ça vous tente pas d'être ici. Moi non plus. Mais avec le manque de main-d'œuvre, ils seront prêts à engager n'importe qui pour faire n'importe quoi. Même un doute qui s'appelle Trombone Lafleur. Pourquoi Trombone Lafleur? Pas de vos hosties d'affaires. C'est surtout que je ne veux pas me retrouver mort dans le fleuve Saint-Laurent. Maintenant qu'on se connaît un peu plus, je vais commencer la conférence en vous racontant une histoire triste et tragique. C'est l'histoire d'Idéris, le cochon qui travaille dans une charcuterie. Sa première cliente, elle s'appelle Grégoine Lawa. Grégoine Lawa, c'était sa fête. Fait qu'elle a demandé à Idéris si elle pouvait avoir un rabais sur son jambon. Idéris, il a dit non. Grégoine était fâchée, fait qu'elle a pris son char puis elle a foncé dans la charcuterie. Ça l'a fait un gros boom. Ça l'a emmené Idéris à l'hôpital. À l'hôpital, c'est Jonathan, l'infirmier sexy deuxième dit non, qui a annoncé qu'il devait lui retirer le rein. C'est aussi Jonathan, l'infirmier sexy, Jonathan deuxième dit non, qui a aussi fait l'opération parce que être infirmier, être sexy, s'appeler Jonathan et être deuxième dit non ne couvre quand même pas les fins de mois. Alors, c'est Jonathan qui a retiré le rein et Jonathan a fait un peu quelque chose d'illégal, c'est-à-dire il a fait affaire à la souris mafia. Mais l'affaire, c'est que ce que Jonathan ne savait pas, c'est que quand on fait affaire à la souris mafia, là, ben on meurt. Fait que Jonathan, il est comme mort. Puis, tu sais, la souris mafia a l'air d'être un gros tough, tu sais, un gros manteau, des lunettes fumées, fume dans l'hôpital. Mais ce que la souris mafia, là, elle voulait le rein. Pas pour le vendre sur le marché noir, mais parce qu'il voulait le donner à son neveu qui est mourant. Oh! Mais son neveu, il a le cancer du poumon, fait qu'un rein, ça ne lui servait absolument à rien. Fait que là, la souris mafia, elle se promenait triste dans l'hôpital, un neveu en moins, un rein en plus. Pis c'est là qu'il a fait la rencontre d'Idéris, puis sont devenus ben chums. Tellement chums que 2 ans après, à la fête d'Idéris, pour être exact, la souris mafia, il a donné un cadeau. Puis le cadeau, c'était son rein. Ah, oh, c'est ben fin. Idéris, il était tellement chier, il a décidé de marier la souris mafia sur le champ. C'est même le rein qui les a mariés. Pour leur cadeau de noces, ils ont tué Grégoine. Vous suivez? Oui. J'espère, parce que ça, c'est juste le prologue. Maintenant, la vraie histoire. C'est l'histoire de Fidorio le poisson rouge avec des hosties de longues jambes. Fidorion, il étudie au cégep dans un programme qui s'appelle le ressuscitage, la résurrection, ça dépend de la région dont tu viens. Et pour se pratiquer pour son projet de fin de session, il a décidé de faire un ressuscitage. Alors, il a décidé d'aller au cimetière puis de ressusciter Grégoine.
Il a emmené ce qu'il avait besoin, une pelle, un défibrillateur, un rein. Quand il s'en allait faire revivre Grégoire, il a commis du mouvement à la tombe d'à côté. Et c'était Jonathan, l'infirmier slash chirurgien sexy deuxième du nom, qui est revenu à la vie. Puis là, ben, tu sais, finalement, il a checké ça, puis il était comme, wow, des abdos. Le sang, il fait chaud ici. Ah, il est beau. En tout cas, finalement, c'est comme marié avec. Puis là, finalement, il était tout content, tu sais, il s'est mis tout beau, il était tout chic. Évidemment, il y a comme une brèche spatio-temporelle qui s'est ouverte. Puis là, il y a comme eu Gorgojo l'ours qui est arrivé. Gorgojo l'ours, il a dit à Fidorion le poisson rouge, « Tu te vois de marier avec Jonathan parce qu'il va devenir abusif verbalement et physiquement, puis tu vas le choquer après 8 ans de mariage. Après 8 ans de mariage, tu vas réciter Grégoire pour ensuite tuer Jonathan. Mais après, tu vas te marier avec Grégoire, mais tu vas te choquer pour la laisser avec l'alligator, la sœur de Grégoire. Et en gros, finalement, Grégoire, elle va comme revenir à la vie, puis elle va tuer tout le monde que t'aimes. Et c'est pour ça que tu ne dois pas marier Jonathan. » Garde-moi pas moi, moi non plus, j'ai rien compris. Fidorien, il a pas tout compris, mais il a su qu'il devait sacrer son camp. Fait qu'il a pris le premier vol pour aller au Brésil et il a emmené avec lui son animal de compagnie préféré. Préféré parce que c'est son seul. Et c'est un petit cube de glace dans un Tupperware. Du côté de Jonathan, le premier slash chirurgien sexy, deuxième du nom. Il est comme allé au cimetière pour ressusciter Grégoire pour qu'elle l'aide à tuer Fidorien. Vous suivez? Pas moi, on m'a perdu à la brèche spatio-temporelle. Fait que là, Grégoire, ce qu'elle a fait, naturellement, elle a hacké dans la base de données du FBI puis de la CIA pour trouver la localisation de Fidorion et du petit cube de glace dans un Tupperware. Puis là, elle a comme trouvé la localisation, mais elle a commis une genre de prise de conscience au dernier moment. Puis elle s'est dit que si elle disait cette information-là à Jonathan, ben, qu'elle allait tuer Fidorion. Puis si elle disait rien, elle pouvait peut-être sauver sa vie. C'est pour ça que ce choix-là, c'est vous qui allez le faire. À mon signal, si vous voulez que Grégoire sauve Fidorion, il faudra dire ensemble, c'est pas bien être un pas fin. Si vous voulez... Non! Hey! À mon signal, t'es dangereuse. J'aime ça. Si vous voulez que Grégoire tue Fidorion, il faudra ensemble, le plus fort possible, être silencieux. Je suis pas supposé vous le dire, mais sinon on va vous donner 5 ans supplémentaires. Alors, quel est votre choix? Attends, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez juste répéter un peu plus? Ah, oh, fait que vous voulez sauver Fidorion? Ah, oh, c'est gentil, ça. Ah, oh, je suis fier de vous. Je vous ai très bien éduqué. Oh. Mais Jonathan, il est un peu fâché, fait qu'il a engagé la souris mafia pour tuer Fidorion. Si j'étais un grand philosophe, je vous aurais dit, peu importe si t'as une bonne intention, peu importe les actions que tu fais, tu peux quand même blesser les gens qui t'aiment. Mais je suis pas philosophe. Et la morale la plus importante, d'après moi, c'est « Il ne faut jamais se fier à la souris mafia. » C'est ça, hein, toi? T'es dangereuse, hein? T'as eu affaire avec eux, hein? Ah ouais, dis-le! T'es gêné, hein? C'est ça que je pensais. On se voit tantôt, ma belle. L'affaire, c'est que il a commis le petit cube de glace dans un Tupperware qui a assisté à la mort de Fidorion. Fait que, il était bien triste. Mais il a aussi été témoin de la souris mafia. Fait que, tu sais, il a comme de l'expérience avec, comme toi. Et c'est pour ça qu'il est venu ici, juste pour vous. En plus, vous avez un point en commun, lui aussi, ici, c'est quoi? Être restreint dans des endroits fermés. Alors, s'il vous plaît,
Veuillez l'accueillir chaleureusement, mesdames et messieurs, le petit cube de glace dans un Tupperware! C'était Laurent Perrault! Oh yes. Yeah. Hey. Ah. Fait frette, hein? Forêt, tu sais. Hey! En passant, j'ai reçu notre carton pour le deuxième défi. Alright. Chanter une chanson autour du feu. Alright. Hey, mais ça tombe bien, j'avais justement apporté ma guitare. Oh ouais! Oh, alright! Hey, c'est cool! Fait que tu joues de la guitare? Non. Ah, ben, tu... Non. Non. Bon, ben, hein? C'est pas grave, on en connaît plein de toute façon des chansons. Je commence. J'ai ramené du fond du Zimbabwe. Non, non. T'en aurais pas une meilleure... Un peu plus... un peu moins... Ah, OK, oui, OK, je comprends. Oui, j'en ai une autre. Connaissez-vous l'histoire? Choubidoubidouap! Non. On peut pas chanter ça non plus. On peut pas chanter la petite mandarine. Ouais, non. C'est quoi, ça? Dolores Ombrage va venir nous expulser? T'as même pas idée. OK, ben moi, j'en ai une toune de bord. Annie Cooney! Fais-tu exprès? Ben voyons, il doit bien y avoir des chansons là, qui choquent personne, qui sont faites pour tout le monde. Je m'en vais chasser le lion. Protection des animaux. Meunier, tu dors. Les gens qui souffrent de narcolepsie. OK, la bouboule de gomme. Grossophobie. Oh, oh non, tu come on! OK, bon, ben, c'est pas grave, on va avoir le temps d'y passer pendant le prochain numéro. Hein? Poursuivons avec la sixième présentation du spectacle. Elle vient du cégep de Sorel-Tracy et nous propose un numéro de chant et musique, catégorie création. Une bonne main d'applaudissements pour Claudine Poirier et Mylène Charland. Ta guitare. OK. 3, 4. Attends, on s'est pas présenté. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Claudine. Moi, c'est Mylène. On est vraiment contentes d'être ici ce soir. On est deux étudiantes en soins infirmiers. On avait des rêves, maintenant on n'en a plus. Merci. L'année passée, on a participé à Cégep en spectacle ensemble, puis on s'est fait donner des commentaires par le jury, autant à la finale locale qu'à la finale régionale. En fait, les juges trouvaient que c'était le fun quand on parlait au début de notre numéro, fait qu'ils voulaient qu'on parle plus. Fait que là, on se demande si c'est-tu parce qu'on chante mal. mais c'est ça. Fait que l'année passée, on a participé à Cégep en spectacle. Puis c'était supposé être notre dernière fois ensemble parce que j'étais finissante en génie mécanique. Mais, surprise, me revoilà en soins infirmiers. Et là, je sais qu'est-ce que vous vous dites. Mon Dieu, génie mécanique, soins infirmiers, c'est différent. Oui, je me disais la même chose, mais après réflexion, j'ai fait quelques liens. Je vous en fais part. Un cœur, un moteur, tu sais, j'en ai un autre, des poumons, un piston, tu sais là, fait que c'est ça. Mais là, ça devrait être notre dernière fois ensemble, parce que Mylène finit en soins infirmiers cette année. À moins que je m'en aille en génie mécanique. Bon.
En parlant de soins infirmiers, on a écrit une chanson qui s'intitule « Code blanc », comme vous pouvez le lire en arrière. Dans le fond, je vais vous expliquer rapidement. Un code blanc, vous avez peut-être déjà entendu ça à l'hôpital, c'est, on appelle souvent ça à l'intercom. C'est quand il y a un usager qui est violent, on incite le personnel à se mobiliser sur le département où est-ce qu'il y a un usager violent. Vous avez sûrement, dans le fond, on a décidé de parler une chanson de notre actualité, parce que les deux, comme on a dit, on est en soins infirmiers. Vous avez probablement vu aux nouvelles l'examen de l'ordre qui s'est pas très bien passé, à moins que vous habitiez dans le bois. Sinon, aussi les urgences qui débordent, le temps supplémentaire obligatoire. Puis aussi une infirmière qui s'est faite suspendre sur un de ses corps de travail pour avoir mangé une toast au beurre d'arachide. On est vraiment désolés pour notre retard. Le spectacle est supposé finir à 10h30. J'espère que ça ne vous choquera pas trop si ça dépasse un peu. En tout cas, nous, non. De toute façon, on est habitués au temps supplémentaire obligatoire. Je suis encore essoufflée de ma course. Alors, je me remets au sport. On veut vous parler du monde de la santé. On est en soins infirmiers, ayez un peu pitié. On s'est inspiré des infos pour écrire ce morceau. On chante pour ceux qui n'ont pas le temps, accablé par trop de patients. On dénonce le système de la santé. On est avec être buissonnier. On lance un code blanc au troisième étage. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. J'avais pas fini de changer la jaquette, ni mettre au chaud Madame Caplette. Il manque de personnel sans bon sens, au pire il va manquer des dents. On est des professionnels de l'épuisement. Ça prendrait une pause de temps en temps. C'est le festival des cloches. Je reçois des coups de sacoche. Faudrait pas rentrer. Je vais sauter mon souper. On est dans le jus. Les dangers ont disparu. Madame Caplette est encore tout nue. Monsieur Dubois rendu dans la rue. Madame Paul demande des Tylenol. Ce sera pas long que je vais virer folle. Encore un code blanc au deuxième étage. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. Même si je suis en stage non rémunéré, faut que je fasse la job d'un syndiqué. Il manque de personnel sans bon sens. J'ai déjà mon premier cheveu blanc. On est des professionnels de l'épuisement. Ça prendrait une pause de temps en temps. J'espère que le temps supplémentaire, c'est seulement temporaire. On est en train de mettre en question si c'est vraiment notre vocation. Encore un code blanc au troisième étage. J'ai pas le temps, faut que je m'en aille. De toute manière, on nous invalide pour une tranche au beurre d'arachide. On n'aidera pas les urgences qui débordent si on passe pas l'examen de là. Au moins, on a retrouvé les tangents. Au pub au Calaguin. Merci! Merci! C'était Claudine Poirier et Mylène Charland. Donc,
pour justement pour des pour hein, chanson, laisse personne. On a décidé justement d'en écrire une nous-mêmes. Fait on a pris notre temps, on a fait ça, c'est clean, ça va très bien aller. Donc ça se passe comme suit. OK. Merci aux étudiants du Cégep et ses bénévoles. Les étudiants. C'est vous autres. Merci à Stéphanie Lavoie et son équipe à la technique audiovisuelle. Stéphanie. Audiovisuelle. Merci à Carl Dupuis-Duguay pour son spectacle hors concours. Carl concours. Merci à Simon Cormier et Valérie Veillette pour la coordination. Simon et Valérie. Merci à Marie-Joëlle Beaudoin pour la mise en scène. Marie-Joëlle Beaudoin. Trois, quatre. Refrain! Merci à Pierre-Louis Paquin à la conception sonore. Pierre-Louis. Sonore. Merci à Frédéric Lafontaine pour la très grosse baie. Frédéric. Bravo. Wouhou! Merci à nos 5 jurés de ce soir. Les jurys. 5. Et merci à nos partenaires locaux. L'Association de parents ainsi que la Fondation et l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Shawinigan. Ouais, non, pas là-dessus. Hein. Ah, OK. Merci à Nathalie Houle, directrice des affaires, étudiantes et communications. Nathalie. C'est ma préférée. Merci à tous les artistes du spectacle de ce soir pour leur engagement. Les artistes. Engagement. Mais surtout, merci à vous, public. Tu sais, guys, moi, je pense qu'on aurait quand même pu chanter La Petite Grenouille, là. Ouais, ben, non. Carton. Continuons avec une étudiante du cégep de Saint-Hyacinthe qui nous offre un numéro de chant, catégorie interprétation. Accueillons Paul-Eva Cazad. Quand ils ne rentrent pas trop tard après la tournée des bars, oui, je l'adore, oui, je l'adore. Quand il me dit je t'aime et que j'arrive à le croire, oui, je l'adore, oui, je l'adore. Mais quand il rentre sous et qu'il devient sauvagement il mord. Oui, j'adore, oui, j'adore. Et quand il devient doux comme un enfant qui dort, oui, j'adore, oui, j'adore. Mais s'il lui prend l'envie de suivre le vent du nord vers un nouveau port, pour une belle sirène et ses merveilles et trésors, je ne suis pas d'accord. C'est un voyou, un filou, mais voyez. Un peu plus fort.
Bonjour. Donc, moi, c'est Poleva. Je viens de Saint-Hyacinthe. Et la chanson que je viens de vous faire, c'est une interprétation personnelle de « Oui, je l'adore » de Pauline Esther. Et la prochaine, c'est un grand classique de la musique québécoise qui a été joué dans la comédie musicale Starmania et popularisé par Claude Dubois. Donc, je vais vous faire le blues du businessman. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. Cazade!
Fred, j'y ai pensé, puis je pense que c'est le temps que j'affronte mes plus grandes peurs. Fred, c'est pour toi. Le huitième numéro. Ils viennent du cégep Lanaudière à Joliette et performent un numéro de chant et musique catégorie création. Veuillez accueillir Alexandra et Rémi Thompson-Moreau. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui! Yes, yeah, c'est pas trop long jusqu'à minuit. Donc, la chanson qu'on vient de vous faire se nomme Mon Inspiration. C'est une composition que j'ai faite en fait en pensant à la démarche, au processus qu'on fait dans notre tête quand on compose une chanson. Parce que composer, ça peut prendre 20 minutes, des heures, puis des fois, ça prend même des jours. Fait qu'il faut être patient, puis c'est juste un processus normal.
Et la deuxième chanson qu'on va vous faire à l'instant se nomme « C'est correct ». C'est aussi une composition. Cette fois-ci, je l'ai fait plutôt en pensant à ces moments où on ne sent pas nécessairement à la hauteur, qu'on se juge, qu'on voudrait toujours faire plus. Mais il ne faut pas oublier que dans la vie, des fois, c'est correct d'être perdu et de ne pas savoir où s'en aller. Donc voici « C'est correct ». Parfois par les autres, par nous-mêmes, non mais tant fait.
Merci beaucoup. Merci à Alexandra Ayotte et Rémi Thompson-Moreau. Hey Noah, tu pourrais me donner le carton. Hein? C'est quand même moi qui a réussi à vaincre ma terrible crainte. Mais Laurent, c'est un carton de protocole, Laurent. Oh, yes! Gros naïf! Afin d'élire les deux numéros qui passeront à l'étape ultime du concours, soit la finale nationale, 5 personnes issues du milieu culturel de la région sont rassemblées avec nous ce soir et composent ensemble notre jury. Les numéros seront jugés selon 3 critères. 30% pour l'originalité, 30% pour la présence scénique et 40% pour le talent. Voici nos jurys pour la soirée. Martin Francoeur, journaliste, comédien et metteur en scène de théâtre et de comédie musicale. Raphaël, oui, on peut l'applaudir. Oui. Raphaël Côté-Germain, fondatrice et enseignante de danse à l'école de danse Esquad Indépendance. Marc Henrique, auteur-compositeur, pianiste, chef de chœur et directeur musical et artistique des Petits Chanteurs de Trois-Rivières. Éric Paul Parent, acteur, metteur en scène, enseignant et animateur. Julie Lefebvre, violoniste, bachelière en éducation musicale et coordinatrice et enseignante du programme Arts et études musique à l'école Félix Leclerc de Shawinigan. Merci à vous tous d'être présents avec nous ce soir. Laurent, je t'ai quand même gardé un carton. Merci. Ça me fait plaisir. La prochaine participante vient du cégep de Sherbrooke et nous propose un numéro de danse. Catégorie création. Veuillez accueillir Coralie Lefrêne. Tu veux savoir ce qu'il m'arrive, bébé, c'est compliqué. C'est pas que j'ai peur, mes chéris, nous deux c'est déjà assez. Yeah. Si je ravale ma salive, c'est que mon sang s'est glacé. C'est maintenant que tu m'annonces ça. Bébé, pourquoi t'as fait ça? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Tu n'as pensé qu'à toi, ou plutôt à vous deux. Yeah. Mais comment t'as pu tenir tout ce temps sans que je ne le vois? Il te rend heureux. Yeah. Tu n'as pensé qu'à toi. Dans ta vie, un homme. Et cet homme a bientôt 5 ans. Hey, oh oui, je l'aime. Mais là, je suis blessé. Elle a un enfant. Hey, oh oui, je l'aime. Mais là, je suis blessé. Elle a un enfant. Tu veux savoir ce qu'il m'arrive? Localise bien le problème. Si j'avais voulu d'un petit, je te l'aurais fait moi-même. Ce n'est pas ma conception de la vie de famille. Et moi je veux ma propre famille. Pourquoi, bébé, pourquoi t'as fait ça? Charlie, tu n'as pensé qu'à toi. Ou plutôt à vous deux. Et comment t'as pu tenir tout ce temps sans que je ne le vois? Il te rend heureux. Tu n'as pensé qu'à toi. Dans ta vie, un homme. Et cet homme a bientôt 5 ans. Hey, oh oui, je l'aime. Mais là, je suis blessé. Elle a un enfant. Hey, oh oui, je l'aime. Mais là, je suis blessé. Elle a un enfant. Thank you.
Coralie Lefrêne. Hey, c'est bizarre, hein? Les numéros sont presque tous finis, puis je suis le seul qui a pas encore affronté sa peur. Ma peur. Ma peur de l'infini. Bon, OK. Continuons avec le 10e numéro. Elle vient du cégep de l'Assomption et nous interprète un numéro de théâtre, catégorie création. Veuillez accueillir Alice Wistaff. Une heure avant le départ. 25%. 25% d'oxygène dans le réservoir. 1h30. 1h30 avant ma mort. Avant la mort. Chère Rose, je t'enregistre ce message-là pour que tu connaisses mon histoire. Pour que tu connaisses le début de ton histoire. Souviens-toi de moi, souviens-toi de ma voix. Mais surtout, souviens-toi de tous ceux qui, pour toi, pour vous, n'ont pas eu le choix. août 6h55. Je me réveille avec une nausée, l'estomac dérangé. Je prends même pas la peine de compter que je me dirige vers ce petit tiroir où j'ai déposé le test que j'ai acheté. 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutes. 1, 2. 2 lignes. Laurent! 2 lignes. Tu le sais pas encore, mais t'es le meilleur père de la Terre. De l'univers. Et moi, j'ai déjà hâte d'être la maman la plus fière. 1, 2, 3. 3 mois. C'est facile de tricoter, de te fabriquer avec papa à nos côtés. Papa médecin pose beaucoup de questions. Maman crève de faim même si elle mange 2 portions. 3, 4, 5. 5 mois, 22 semaines, 2e échographie. Une fille. Je pense qu'il y a des étoiles filantes dans mon ventre. Dans mon ventre, elles courent et parcourent ta petite maison sans père. Elles bondissent et rebondissent au rythme de mon cœur. Rose. Oh, on va t'appeler Rose. J'ai tellement hâte de te rencontrer. Rose. 5, 6, 7, 8, 9. 9 mois. C'est pas que je suis tannée. Mais je commence à être tannée. J'attends le jour J comme un enfant qui attend son tour pour monter dans une glissade. Je suis excitée. Terrifiée. Je suis terrifiée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 heures. Ma petite fleur. Mon petit cœur. Bienvenue, Rose. T'es belle. T'as hérité de mes étoiles filantes. Tes yeux brillent. Tout brille. Tout brille sauf elle. L'infirmière qui est rentrée comme une fusée sans cogner au visage terrifié. Avez-vous vu les nouvelles? Elle m'a demandé. Non. Non, j'ai pas vu les nouvelles. On a ouvert la télé, on a regardé la télé, puis... Mesdames et messieurs, le gouvernement mondial vient tout juste d'annoncer le départ urgent de 5 % de la population. Aujourd'hui marque les 5 ans d'utilisation de bonbonnes d'oxygène pour pallier au manque sur Terre. L'état d'urgence en raison de la pénurie imminente de ces dites bonbonnes est déclenché. Le 5 % qui quittera la Terre restera en orbite de Mars jusqu'à ce qu'elle soit officiellement habitable. Des informations concernant l'échantillon de 5 % suivront sous peu. Rose,
étoiles se sont éteintes. Rien brille. Rien brille sauf tes petits yeux qui comprennent pas, qui réalisent pas. Je suis désolée de pas t'en avoir parlé. La Terre va très mal depuis quelques années. Je pensais que le tout s'était stabilisé. Je pensais que la technologie allait nous sauver. Notre monde vient de s'écrouler. Je te laisse imaginer les horreurs qui sont ensuite arrivées. Ça n'a pas été long avant de commencer. Ils ont sorti la liste de ceux qui allaient quitter. Je trouve pas mon nom. Je trouve pas mon nom! Je trouve pas mon nom. Il y a le tien. Celui de Laurent. Un médecin puis son enfant. Je trouve pas mon nom. Rose. La voilà, ma destinée. Les gens se sont levés. Les gens se sont révoltés. Les gens ont crié. Dehors. Dehors, ça tirait toutes les barres. Les manifestants se faisaient arrêter par la police, assurés de pouvoir quitter. Les parents se faisaient arracher leur petit dernier. Au début, je voulais pas y aller. Pour toi, je voulais pas y aller. Pour toi, Rose. Je savais que t'allais être en sécurité. Je savais que t'allais être OK. C'est pas une assez. Mais Rose, quand tu vas quitter, puis je vais devoir rester. M'oublier. Quand tu vas partir puis que je vais devoir me laisser mourir, veux-tu m'oublier? J'ai besoin que tu te souviennes. J'ai besoin que tu te rappelles. Je vais me battre. Oui, oui, je vais me battre pour toi, Rose. Tous ceux qui, comme moi, n'ont pas eu le choix. Rose, je pense à toi tout le temps. Le jour J est arrivé, les alarmes se sont mises à sonner, les portes se sont débarrées. Le soleil! Non, non! Des centaines de petites fusées. C'est le moment de se quitter. Je fixe un point. Puis je m'imagine te voir au loin. Ma petite fleur. Mon petit cœur. On se voit là-haut. On se voit bientôt. Rose. Départ. Départ imminent. 0%. 0% d'oxygène dans le réservoir. 30. 30 secondes avant ma mort. Avant la mort.
Mais voyons. Il y a bien de la mouche dans la grande forêt internationale de Shawinigan. C'est bien fatigant. Ben non. C'est les milliards de drones que le drone qui nous retransmet directement en hologramme sur la scène du cégep. Ah. Mesdames et messieurs, voici venu le temps du dernier numéro de la soirée. Ah ouais, ouais, déjà, on est déjà presque fini. Pour la partie concours, oui. Juste après, on va avoir l'entracte. Ensuite, la délibération du jury. Pendant ce temps-là, notre artiste invité, Carl Dupuis-Duguay, va faire son numéro hors concours, juste avant la remise des prix. Fait que ça veut dire que c'est presque fini pour nous. Ouais. Fait que... Vous avez touché à la très grosse baie. Par conséquent, vous êtes tous condamnés à entendre dans votre tête, à chaque fois que vous voyez une framboise, une mûre ou un bleuet, et ce jusqu'à l'infini. C'est vraiment une très grosse baie. C'est 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 une très grosse baie. À l'infini! Non! Pour ce dernier numéro de la partie concours, ils vous viennent du cégep de Drummondville et nous offrent un numéro de musique catégorie mixte. Veuillez accueillir Sophie Gagnon, Big Band.
C'est ce qui conclut la partie concours du spectacle. On peut encore une fois applaudir tous les artistes qui ont été là ce soir. Juste avant la remise des prix, il va y avoir une petite entracte de 15 minutes suivie du numéro de notre artiste invité, Carlito. On se revoit à tout de suite! En attendant les résultats de la délibération du jury, nous avons la chance d'accueillir sur notre scène un artiste multidisciplinaire dont l'art mélange le théâtre, le clown, la poésie, la danse, la musique et l'univers du cirque. Diplômé de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2013, Carl Dupuis-Duguay parcourt ensuite le monde à la recherche de formations en jeu clownesque. À son retour au Québec en 2018, il décroche un rôle de clown dans Neza, l'enfant pirate du cirque Éloise. Animé par un désir constant de joindre l'utile à l'agréable, il devient préposé aux bénéficiaires au CHSLD La Flèche avant de retourner sur les bancs d'école au Cégep de Shawinigan et à l'UQTR pour étudier les sciences infirmières. Carlito, l'infirmier poète, est un personnage créé en 2022 pour Cégep en spectacle, où il participe à la finale nationale en plus de remporter le prix ZooFest. Veuillez accueillir chaleureusement Carl Dupuis-Duguay! Messieurs, quoique tout le monde ne soit pas encore arrivé, on attend encore du public assez tard, je commence quand même. Tant pis pour les retardataires, la prochaine fois, les arguerons à l'heure. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Bonsoir! Hey, bonsoir! Attention! J'arrive! Bonsoir! Et ça va bien au balcon? Et ça va bien en bas? Allez, permettez-moi de saluer tout le monde. Bonsoir! 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 Allez. Bonsoir! C'est parti! Aïe, si jamais je me blesse, je suis infirmier. Bonsoir. Bonsoir. Hey, bonsoir. C'est parti. Content d'être ici ce soir. Il y en a parmi vous qui me connaissent. J'ai fait Cégep en spectacle l'an dernier. Ça a très bien été pour moi. Et puis, j'ai investi tous les prix que j'ai gagnés dans l'extrait que je vous présente ce soir. Hein? Si c'est bon, vous direz, hey, ça valait la peine. Sinon, c'est un beau potentiel. J'ai aussi investi dans mon vélo. Ouais, donner un petit look plus poétique, lumière. Une mini-bibliothèque, avec des classiques, Par amour du stress,
Faut rencontrer le mammouth. J'ai le malade imaginaire aussi. Un bon classique. Une revue à Potin 2020. Ça fait très CLSC. Là, je l'ai laissé. Je pense que Véronique est avec Louis. Puis là, en tout cas. Ah, une trousse de premiers soins. Un parapluie. Ouais, ça, c'est un parapluie. Il y en a qui disent qu'ouvrir un parapluie dans un théâtre, ça porte malchance. Eh bien, moi, je ne suis pas superstitieux. Oh, OK. De toute façon, je m'en sers surtout comme paratonnerre. Vous savez, un paratonnerre, c'est génial parce que ça nous protège contre les éclairs de génie. Puis les coups de foudre. Oh, ça, c'est dangereux, un coup de foudre, hein? Ça te fait agir sur un coup de tête, puis après ça, ben... Non, moi, je préfère être réfléchi, puis... Pour être réfléchi, quoi de mieux qu'un miroir? Ah, ça me permet de faire de belles réflexions. Oh! Il y en a qui disent que casser un miroir, ça porte malchance. Mais moi, je ne suis pas très superstitieux. Bon, ben, gars, qu'on m'amène une échelle avec 13 barreaux, qu'on écrive 666 derrière la porte, qu'on allume une chandelle puis qu'on dise « Magie noire, magie blanche, magie noire, magie blanche, magie noire. » Comme ça, si jamais ça va mal, ça sera de ma faute. Ouais. Ouais, très content d'être ici, c'est J'ai pas un spectacle. Je vais maintenant prendre le temps de vous présenter parce que, hein, j'ai investi. Je performe maintenant avec des musiciens en direct. Je vous demande de les accueillir à la trompette et au cadre artistique, Carl Senior! Ah! Bien! Et de l'autre côté, il étudie en sciences infirmières, il est aux percussions, au djembé, au cajon, Carl Junior! Au support technique, au support moral, elle est machinée, elle fait la mise en scène et toute autre tâche connexe, Madame Carl! Ah! Ah, c'est cute! Tu sais, je prends le temps de présenter toute mon équipe de Carl. Un Carl, deux Carl, trois Carl. Mais pourquoi autant de Carl? Car la vie est belle. Ah, c'est déjà pas un spectacle. La dernière fois qu'on s'est vu, je terminais mon numéro en disant « Maintenant qu'on se connaît, esprit saint dans un corps saint, si ça va bien, viens me voir sur scène. Et si ça va mal, on se revoit à l'hôpital. » Eh bien, je peux vous dire que j'en ai vu du monde à l'hôpital. Ouh! Les urgences, ils débordaient. Je sais pas si c'est de ma faute, là, mais j'aurais dû dire « Si ça va mal... » Viens voir un spectacle en salle. Et si ça va bien, viens nous donner un coup de main à l'hôpital. Sinon, vous autres, c'est un spectacle. Est-ce que ça va bien? Oui! Yeah, une méchante belle gang qui va pouvoir nous donner un coup de main. Hein, vous irez visiter le site jecontribue.qc.ca. Et là, c'est bien important, c'est QC, hein, et non cossé, ben, sinon ça fait jecontribue.cossé.cessa, puis ça, ben je sais pas quand c'est ça. Ben, en tout cas, je suis bien content d'être là pendant que tout le monde est assis, attendant patiemment que la deuxième partie du spectacle commence. C'est moi, ça. Et ce soir, vous avez vu sur scène des artistes monter sur scène avec courage et espoir pour interpréter ces idées que trop souvent on laisse choir dans un cahier. Tu sais, vous savez, un spectacle comme celui-là, c'est le fruit d'efforts soutenus. De l'organisation du RIASC aux techniciens de scène, de lumière, de son, ces gens sont les vitamines qui acheminent l'énergie pour atteindre l'hémostasie. Ils sont presque aussi efficaces que l'hémostase face à l'hémorragie. Salut mon Carl, c'est pas ton cue, mais je te laisse aller, vas-y.
Non, mais vas-y. Mets le feu dans la place. Il n'y a pas de malaise. À partir de maintenant, mes mots se taisent. OK, ben, vos mains, mesdames. Non, arrêtez ça. On n'est pas au Sandbell ici, là. Non, merci, mais. Non. Non, ça fait trop CHSLD, là. On n'est pas. Mais, pas grave. C'est pas mal ta meilleure, celle-là. Alors, très content d'être ici. Alors, c'est ça, un spectacle, c'est de l'art vivant. Vous rencontrez l'univers d'un artiste, puis l'univers, ben, c'est infini. Puis ce qui est défini, les limites à la suite du Big Bang, de la création, ce sont les conventions qu'on se crée ensemble. Pour ce faire, je jure devant vous que je vais tout faire à soir pour vous satisfaire. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Puis crois-moi, ce soir, mon frère, des erreurs, je vais en enfer. Mais ça fait partie du jeu, puis je m'attends à ce que vous jouiez votre rôle, puis vous le faites très bien, on vous entend, mais on est comme... Ah, le public est là, tu sais. Le public, c'est... ça rit, ça participe, ça donne un large éventail d'émotions disponibles pour l'artiste. Bon, on va faire un test. Donnez-moi un « ah, ah, ah ». Ah, ah, ah. Oh! Oh, oh! La gomme des légumes! Yeah, on dirait presque une formule magique, tu sais. Le gars, il dit la gomme des légumes. Puis là, tout à coup, tu sais, le rideau, il se met à s'ouvrir. On découvre tous les musiciens, puis là, ils sont pas prêts. Non, non, pas de suite. Fermez vos yeux. Oui, fermez vos yeux. La gomme des légumes, pas de suite. Ça marche, on vient de le voir, là. Non, fermez vos yeux, puis imaginez-vous le plus beau des décors. Je vous transporte dans un hôpital de la Mauricie. Ça sent le nœud. Ça sent le vieux. On côtoie la vie et la mort ici. Imaginez-vous, on oublie le politique. Imaginez-vous un système de santé en santé. Avec des ressources, du personnel dévoué, du soutien et même des soutiens bien investis pour le plus grand bien des familles et des malades. Un système de santé sans terreur, sans téléphone portable, ça a job, et sans TSO, pour le plus grand bien des familles et des malades. Allez, c'est parti. Ouvrez vos yeux. Notre corps de travail commence. La gomme. Oh yeah! Excusez pour le micro. OK, c'est bon, je le prends. Allô? Wello, oui. Vas-y, mon Carl. Carl, je suis pas un spécialiste de l'hémoculture, mais lui, la musique, il a ça dans le sang. Attention. Code bleu à l'urgence. Tout le personnel doit se rendre immédiatement à l'urgence. Je répète, attention, code bleu. Hey, merci, Carl. Juste noter l'heure. C'est beau. OK, bon. Petit cours 101. Et hop là. Wow! Comme vous pouvez le voir, parfois la vie ne tient qu'à un fil. Madame, votre bon cœur? Madame Vadeboncœur, revenez. Revenez, Madame Vadeboncœur. Oui, c'est ça, revenez. Revenez, Madame Vadeboncœur. C'est ça. Donc, je vais effectuer là, les manœuvres de RCR. Première étape, plus vite on utilise un défibrillateur cardiaque, plus nos chances de survie sont grandes. Moi, j'en ai un juste ici. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Okay. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. La machine nous dit quoi faire. Hop là. Appliquez les électrodes. C'est fait.
Brancher le connex analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Appuyez sur la touche orange maintenant. Choc délivré. En pause. Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire. La réanimation cardio-pulmonaire consiste à faire travailler la pompe du cœur pour permettre la circulation sanguine. Donc là, moi, c'est sûr que j'étais un gars, fait que je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Et je vais masser pendant que vous allez chanter. Et puis là, la chanson très connue, c'est « Staying Alive ». 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, staying alive. OK. Plus fort, plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oui, Madame Vadeboncœur. Ensuite, on envoie de l'air dans les poumons. Hop là. Tiens. Mais juste avant, on s'assure que les voies respiratoires sont dégagées. Oh! Un docteur Pepper à la vanille. Oh! Ouh là là! Un hot dog à la moutarde. Mmh. Un Martin original. Alors, bon, madame Vadeboncœur, hein, on juge pas. Quand faut y aller, faut y aller. Et sachez qu'un cerveau bien oxygéné vaut mieux que deux, tu sauras. OK. Ah. Ensuite, on recommence à masser. OK. Elle a les poumons jaunes, mais je pense que ça fume depuis un bon... En tout cas. Un, deux, trois. Et voilà. Oh! Madame Vadeboncœur! Oh là là! C'est réussi. C'est réussi! C'est réussi, Madame Vadeboncœur! Allez en paix, Madame Vadeboncœur. Ouais... Salut. Ben, mettons que... Avez-vous votre cours de RCR, vous? Oui. Ah, parfait, parce que je viens de donner une petite formation, mais c'est très bien d'avoir son cours de RCR parce que c'est... on sait jamais, hein, quand ça peut arriver, puis... Excusez pour le micro... Ouais, c'est ça, on ne sait jamais quand ça peut arriver, puis on met ça dans notre trousse pour le bien commun de tous. Ah, j'aimerais prendre le temps de remercier Mme Vadeboncœur, quand même, de s'être prêtée au jeu. Merci, Mme Vadeboncœur. Merci, mon cœur. Tu fais bien meilleur ma sœur que ma sœur. Et toi, tu es le meilleur dentier du monde entier. Merci, mon tipit. Ah, j'aimerais prendre le temps, là. Parce que vous savez, c'est ça. C'est pas toujours facile d'être infirmière. Je sais pas s'il y a des infirmières dans la salle. Non? Ils sont tous au travail. Mais c'est ça, j'ai écrit un ode. Parce que, tu sais, vous savez, malgré tout, être infirmière au niveau des contacts humains, c'est une des plus belles jobs. Puis être infirmier poète, ben ça permet d'interpréter l'ode à l'infirmière. Que ce soit de nuit, de jour ou de soir, on retrouve ces guerrières 24/7 dans les hôpitaux, les CLSC et les CHSLD. Mais au-delà de ça, on recommence, gars, je manquais. Ouais, come on, là. Le...
être infirmier poète, c'est cool. Ça permet d'interpréter l'ode à l'infirmière. Que ce soit de nuit, de jour ou de soir, on retrouve ces guerrières 24/7 dans les hôpitaux, les CLSC et les CHSLD. Mais au-delà de ça, cette profession si délaissée a mille et une facettes, de la pédiatrie à la gériatrie, en passant par la psychiatrie. L'infirmière ne fait pas que le tri. Ah, je sais que c'est tout un art de porter remède à la mère patrie, que ce soit ici ou dans le Grand Nord. Elles assistent aussi les médecins, les sages-femmes et les mères qui donnent la vie. Elles assistent au départ d'une âme qui quitte la vie. Du début à la fin, elles sont là. Elles sont présentes. Et bien souvent, même si on ne les connaît pas, elles se présentent. Ces hommes, mais surtout ces femmes, oscillent entre l'écoute, les soins et les médicaments. Pour apaiser nos douleurs et nos souffrances, elles mettent des baumes et des pansements. Si ça va pas en ce moment, que t'as la tête qui explose, t'as le corps à l'envers, t'es sans dessus-dessous, tu sais plus quoi faire sauf prendre tes jambes à ton cou, puis tu sais que ça va flyer, puis qu'il faut faire vite parce que t'as maille à partir, le drame on l'évite, quand tout à coup, on t'aide à t'en sortir. Car t'as beau être grand, faut pas laisser 6 pieds de sentiments se taire sous terre. Viens chez nous, on va jaser. On va te retirer le bloc de ciment qui t'empêche d'avancer. On va se faire un feu de camp. Tu me raconteras tout ce qui te brûle par en dedans. Si la vie te met des embûches, puis que tu luttes, au pic puis à appel, même si tu te sens seul, un professionnel t'assiste au 1-866, appel. Si tu te blesses en pratiquant ton sport de champion, ou si tu te transmets d'une personne à l'autre par un sport à champignons, que tu marches vers le podium ou vers le podium avec ton pied d'athlète, sache que l'infirmière est là pour t'aider au pied de la lettre. Si t'as les yeux pleins d'eau ou plus grands que la panse, s'il faut te tirer les verres du nez quand le coude lève plus que tu penses, ne tombe pas dans le panneau, on est ce que l'on mange. Si tu prends la vie avec un grain de sel parce que t'es HTA, si t'as de la misère avec tes selles ou ta perte de poids, si t'as la peau ses os, reste ici. Ne va pas là-bas jouer le seigneur des anneaux, Rexy. Ne va pas te détruire. Bref, si t'as une crotte sur le cœur ou l'estomac dans les talons, si après un accident, t'as perdu tous tes talents, l'infirmière est là. Quand ça va mal dans la cabane, que tu cherches à te reconstruire, mais que tout ce que tu fais finit par te nuire, tu consommes ta peine à grands coups de cognac jusqu'à temps que la réalité te frappe comme une claque d'en face. Si tu cognes des clous, puis que t'as les mains pleines de pouces, que tu te ramasses à l'urgence, les yeux dans graisse de bine ou les oreilles en porte de grange, si t'es à bout de nerfs, d'avoir un chat dans le pharynx, l'infirmière est là, examinant tes crachats avec ses yeux de lynx. Tu peux avoir du front tout le tour de la tête, mais quand l'infirmière est là, fais preuve de politesse. Car c'est elle qui t'ordonne le cœur à la fête en te sauvant par la peau des fesses. Bref, tu peux dormir sur tes deux oreilles car l'infirmière est là, est toujours là. Et contrairement à ce que disent les médias, même si c'est pas toujours le pays des merveilles, l'infirmière est fidèle au poste. Et c'est pour cela que je veux prendre le temps ici ce soir de dire merci aux équipes de soins, aux aides de service, aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmières auxiliaires et aux autres spécialistes, merci. Merci pour votre présence. Vous faites la différence. Pour le prochain numéro, j'avais un ami qui était supposé d'être là ce soir, mais il pouvait pas à cause qu'il joue dans Stat. Je sais pas si vous savez c'est quoi Stat. Stat TV. Je pense que y a comme la Riopelle puis Poupou qui sont en chicane, puis je mélange, je sais pas trop. Non, mais pour vrai, mon ami, il joue pas dans Stat. Il est juste, c'est juste qu'il est malade, tu sais. Fait que j'avais un comédien pour jouer un malade, mais là, j'ai pas de comédien pour jouer un malade. Je sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui est comédien. Il y a quand même beaucoup d'artistes ici ce soir.
Mais, tu sais, si vous êtes comédien, vous n'avez pas besoin d'être malade parce que vous allez jouer le malade. Et si vous êtes malade et responsable, vous n'êtes probablement pas là. Vous êtes chez vous en train de vous soigner. Donc, si j'ai un ami comédien ou comédienne, ça peut être... dans le fond, si on fait ça simple, j'aurais juste besoin de quelqu'un. Sinon, j'envoie le clown. Hein? Oui, ça me dérange pas. Okay, est-ce qu'on peut ouvrir les lumières dans ça? Ah, toi, comment tu t'appelles? Antoine. Antoine, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ah, ben si ça va, tu peux pas venir à l'urgence. Ah, oh, Antoine, désolé. C'est quoi ta lettre préférée? Ma lettre? Ouais. B. B? Bizarre. Non, ben OK, B. Mais Antoine, je te garde. Stand by. Est-ce que vous voulez que ça soit Antoine? Oui! Ouais. Hey, mesdames et messieurs, accueillez Carl! Hey! Donc, enchanté, ben, gars, viens ici. Salut, Antoine. Allô? Bon, ben, je vais juste vous faire le triage, dans le fond. Antoine, enchanté, moi c'est Carlito, infirmier poète, c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. Pour bien vous identifier, auriez-vous une pièce d'identité avec date de naissance? Je ne l'ai pas présentement sur moi. Ah. Bon. C'est quoi ton signe astrologique? Cancer. Cancer, ça va être en oncologie, dans le fond, ça va être... Alors, Antoine, bon, ben regarde, on va commencer ça. Comment votre douleur au ventre est apparue? En jouant au football. En jouant au football. OK, on va prendre ça en note. Puis, tout d'abord, est-ce que vous avez eu des nausées? Oui. Est-ce que vous avez eu des vomissements? Toujours. Oui. De la diarrhée? Non. 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 De la constipation? Oui, oui. Êtes-vous chatouilleux? Jamais. Non? Non. Très bien. Prenez votre doigt et montrez-moi le plus précisément possible l'endroit qui est souffrant. 4 rangs inférieur droit. OK. Si vous aviez à mesurer votre douleur sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune douleur et 10 étant la pire douleur inimaginable? 5,6. Inimaginé plus que ça? 14. 14! Oh, compte tenu de la situation, nous allons devoir faire quelques examens physiques. Vous allez vous mettre sur la pointe des pieds. Vous laissez tomber sur les talons. Avez-vous de la douleur? Oui. Oui, très bien. Donc, vous pouvez vous asseoir. Très bien, très bien. On va vérifier les signes de contraction contrariée du psoas. Levez la jambe. Je vais appliquer une petite résistance, là, puis on veut voir là, si vous avez encore beaucoup de force. Alors, on force, Antoine. Carl-Antoine. OK. Toujours important de comparer les deux côtés. Ça va toujours, Antoine? Ça va bien. OK. Levez la jambe. Hey boy. C'est bien ce que je pensais. Alors, mon cher Antoine, avez-vous des allergies? Non. Diabète? Pète puis répète, s'en va ton bateau, qui reste? Répète. Pète puis répète, s'en va ton bateau, qui reste? Répète. OK, orienté dans les trois sphères. Donc, mon cher Antoine, pour diminuer votre douleur, on va vous donner quelques médicaments. Selon l'ordonnance collective des dépanneurs, ça s'appelle des Medis Keto. Ça goûte bon? Oui, ça goûte bon. Faut juste savoir que ça peut créer de l'insomnie. Avec ça, tu te couches pas tôt, tu te couches tard. Oh! Carl Senior? Carl Senior? Oui? Apportez-moi les Medis Keto. Oh boy! Je l'ai choisi pour ses talents de trompettiste. Pas pour son jeu. Non, je l'adore. Merci, Carl. Oui, oui, c'est ça. Ben, regarde, vas-y. Tiens, merci. Oh.
c'est pas facile. Bon. Il en reste quelques-uns. Bon. Alors, bon, je vais continuer. Vous savez, la médication, c'est... Puis je vais te le dire à toi, dans le fond. La médication, c'est quand même quelque chose de très dangereux. Donc, c'est important d'avoir le bon patient. Donc, ici, on a Carl-Antoine. Ensuite, on veut avoir la bonne dose. Là, moi, je vais vous donner 5 médisquétoles. Le bon médicament, c'est des médisquétoles. Après ça, c'est le bon moment parce que vous avez mal en ce moment. On va utiliser la voie d'administration qui est la bouche. Puis, c'est ça, une bonne surveillance, une bonne documentation. Bref, la médication, ça peut être très dangereux. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ouais. Constipation, il arrive. Alors, on commence juste ici avec la mauve. C'est bien, allez-y. Ensuite, on va y aller avec la rouge. Très bien. On continue avec la jaune. Ça, c'est plus pour nos vomissements. Ensuite, la orange pour vos brûlements d'estomac. On y va avec la mauve, ça pourrait causer des céphalées. Puis voilà, dans le fond, si vous êtes consentant, vous allez pouvoir les prendre. Vous les avez déjà pris? Oh, PQRSTU! Oh, mesdames et messieurs, je suspicionne l'appendicite. Puis ça, l'appendicite, c'est pas un lièvre du Québec, mais quand même, il faut faire vite. OK. Carl Junior, qu'on m'amène le rayon X. S'il vous plaît, très bien, levez-vous, Carl. Tenez la pancarte comme ceci. Alors, comme on peut voir, là, c'est vraiment au niveau de l'appendice hein, que s'il y a un petit problème, c'est comme une extension du sécum. C'est à peu près 3 pouces, là, gros de même. 3 pouces fort, des fois. Ça dépend des personnes. Puis c'est une chirurgie d'un jour, c'est assez facile à faire. C'est parti. T'es correct? Ouais. C'est chaud, mais on va faire ça à fret. OK, attention. OK. Ciseaux. Oh! Ça vous appartient, après tout? Hop là! Ah, on peut voir que les médisquettons ont fait effet! C'est réussi, voilà, tiens, yeah! Alors, très important, là, pour l'instant, juste ne pas bouger, hein? Et ensuite, on va vous donner vos vacances. Très bien, ne bouge pas. T'as bougé? Très bien! Ah! Alors, on va mettre les bras comme ça. C'est la maison qui offre. OK. Ouais.
super, hein? Comme on a pu voir, pas besoin d'être comédien pour être acteur de changement. C'est un très bon rôle. Vous avez... Tu sais, ça a été comme une grande opération là, qui s'effectue. Puis moi, je pense que c'est ça un peu la vie. Vous pouvez être positif avec les gens qui vous entourent. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des gens positifs autour. Puis c'est ça que j'essaie, dans le fond, de rendre les gens heureux pour pouvoir partager des moments de bonheur qu'on a eu ensemble, moi et Carl. Mais bon, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Alors, pour moi, Cégep en spectacle, c'est tout. C'est ici que nos chemins se séparent. Je vous dis... Ah, ben peut-être à l'année prochaine. Je sais pas, ça fait 2 ans qu'on se voit. Hey, Carl, excuse. Excusez. On a besoin de 2 petites minutes de plus. De toute façon, toi, du temps supplémentaire obligatoire, t'es habitué avec ça? Oui. Lâche pas. Ah, cool. Let's go. Ah, ben je savais pas que les artistes aussi faisaient du temps supplémentaire obligatoire, mais ça doit être ce qu'on appelle un rappel. Ils te mettent sur une liste, là, hein, c'est ça? Ils te mettent sur une liste, ils te rappellent, oui. Ils me rappellent pas mal souvent, ça doit être parce que je suis bon, là, c'est bon. Alors, bon, ben, on va se la jouer rappel. OK, attention. Wow! Okay.
mon équipe! Merci à la technique. Merci à vous, cher public. Et on vous dit à la prochaine. Yeah! Merci encore à Carte du Gay. Un jour, m'a bien articulé. Juste avant, remercions une dernière... Oui, c'est maintenant le moment du dévoilement des résultats de la soirée. Juste avant, remercions une dernière fois le RIASC et Desjardins, ainsi que tous les partenaires de Cégep en spectacle. Merci encore au comité organisateur et aux bénévoles, à l'équipe technique, ainsi qu'à vous, cher public. Avant de débuter la remise de prix, j'invite tous les participants à nous rejoindre sur la scène. On peut les applaudir tous ensemble. Mallory Desbiens et Danny Bournival, 11 mots, Frédéric Turcotte, Charlie-Anne Côté, Laurent Perrault, Claudine Poirier et Mylène Charland, Paul-Eva Cazade, Alexandra Ayotte et Rémi Thompson-Moreau, Coralie Lefrêne, Alice Wistaff, Sophie Gagnon, Big Band. Nous y voici. Pour nous dévoiler le résultat de leur délibération, j'invite Marc-Henri, porte-parole du jury, à monter sur scène pour nous annoncer les récipiendaires. Mesdames, messieurs, et surtout vous, je prends le micro, c'est plus simple. Surtout vous, chers participants, quel spectacle! Quel spectacle! Écoutez, c'est bien simple. Moi, je suis arrivé au Canada depuis 4 mois. Je viens de France. Et ce soir, j'ai eu l'impression que j'étais venu de France uniquement pour être là, pour être au Cégep de Shawinigan. Et je pense que quand bien même je n'aurais fait que ça, ça valait largement le prix de l'aller-retour. Alors merci, merci. Alors le jury que je représente ce soir a été séduit, il a été capté, captivé, il a été ému, il a été amusé aussi, il a été bouleversé. Et ma tâche, elle est terrible, parce qu'en fait, il y a 2 enveloppes, mais il en faudrait 11. C'est aberrant d'en avoir que 2. Mais on va quand même jouer le jeu. Alors, on y va. La première enveloppe. Alors, pour l'énergie contagieuse, pour la complicité, pour la virtuosité, l'artiste ou le collectif artistique invité à représenter la région de Centre-Est à la finale nationale et à qui l'on remet une bourse de 750 € offerte par Desjardins et... $750 offerte par Desjardins et Mallory Desbiens et Danny Bournival, Cégep de Trois-Rivières. Alors,
Le collectif artistique invité à représenter la région du Centre-Est à la finale nationale et à qui l'on remet une bourse de $750 offerte par le RIASQ, c'est pour l'audace, c'est pour leur synergie, c'est pour la maîtrise étonnante de leurs instruments, c'est le Sophie Gagnon Big Band. Merci Marc Henrique, notre porte-parole. Félicitations encore à nos gagnants qui participeront à la grande finale de Cégep en spectacle. Merci tout le monde d'être venu ce soir. Juste avant qu'on se quitte, on vous invite à venir voir les artistes sur le mail. Et ben, c'est ça, on voudrait vous souhaiter une bonne soirée à tous. C'est toi, vas-y. Wow! C'est vraiment une très grosse baie! Oh!